Salut tout le monde, donc aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour une petite vidéo découverte sur Sniper Ghost Warrior 2. Donc c'est un jeu, c'est un FPS déjà, pour commencer, donc développé par City Interactive. Et donc c'est du FPS orienté sniper, performant, actif, pour raffiner. Donc l'idée c'est de vous faire une petite vidéo de découverte et puis de découvrir le jeu ensemble tout simplement. Donc j'ai déjà lancé le jeu juste pour voir que tout fonctionnait bien et là on va se faire. Le mode de difficulté, je vais choisir un moyen et c'est parti. Alors, région côtière des Philippines, 16h, il y a une seule côtière. Donc je suis impatient de voir ce que ça donne, j'ai jamais joué au 1, j'ai envie de me faire plaisir d'acquérir celui-là. On n'ira pas plus loin. Keller, vous et vos hommes suivez la rivière jusqu'au rivage, en dessous du radar. Anderson et moi, on va s'assurer qu'aucun renfort ne vienne s'incruster à notre petite fête. On se retrouve là-bas. Entendu. Bonne chasse. C'est qui lui? Ok. C'est pas un copain, apparemment. Donc voilà, donc allons-y. Ce que je vous disais, c'est que j'ai pas joué au 1, donc je viens d'acquérir le 2. Pour une vingtaine d'euros, il est pas très cher. Il est sorti aujourd'hui. Donc le jeu, je l'ai mis en ultra aussi. Hein, pour pousser les graphismes à fond, pour voir ce que ça donne. Donc c'est assez joli. Hein. C'est pas à tomber par terre, mais c'est très beau. Attendez, ne tirez pas. Un soldat ennemi localisé. À mon signal. Prêt. 3, 2, 1, go. Bim. Bon, le gars dans la cabane n'a rien marqué. À son tour. Ah, il y en a un deuxième. Cole, utilise ta caméra thermique. Alors, V. On va le mettre à travers. Allons-y. Attention. Nickel. Donc, je sais pas ce que j'ai comme sniper, là. J'aurais bien aimé savoir. On sait si ce radar est bien protégé? À peine. Il nous bloque bien la vue. C'est pour ça qu'il faut l'éliminer. Sinon, notre sortie va tourner au fiasco quand on arrivera à cet hôtel. Ok, donc on va aller... casser un radar apparemment. Vous pouvez voir en bas à droite, mais je viens de voir là, il y a les pulsations de minutes du tueur apparemment. J'entends quelque chose. Reste baissé. Vers la droite. On dirait qu'ils sont seuls. Synchronisons-nous. Je prends celui de droite. Prépare-toi. 3, 2, stop. J'étais chaud moi. Merde, c'est pas passé loin. Il y en a trop. Faut qu'on les évite. On y va à mon signal, mais garde la tête baissée. Suis-moi. Voilà. Donc on est en mode furtivité là. Je pense pas que ça soit le style de jeu où on rentre dans le tas. Et... Même s'il est axé arcade du jeu. Ils arrivent vers nous. Bouge pas. Недавно я получил сообщение по рации. Где-то у нас работает снайпер. От кого информация? Информация лично. Мон, мон, репери. Кажется, работает снайпер и штурмовая группа. Думаешь, они движутся сюда? Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорит. T'entends ça? De quel américain est-ce qu'il parle? J'en ai pas la moindre idée, mais on s'en occupera plus tard. On a d'autres chats à fouetter. Allons-y. Attention. Скорее всего нет. Босс отдал какой-то новый приказ, и теперь все носятся как ужаленные. Donc on peut voir que c'est des Russes. Ah, donc j'imagine qu'on est des Américains. Très original. Ouais bon, ça à la limite on s'en fout. Bateau, couche-toi.
Laisse-les passer. Oh non, zone hostile là. Anderson, suis-moi. Il est en courant lui. On va prendre le snipe. Reste baissé. Prends le plus proche et laisse-moi l'autre. Alors, il veut que je m'approche et que je le cut, c'est ça? Allez. Hop! Nickel. Ah bah c'est ce que je fais, hein. Voyons un peu. Je suis ses instructions. Il y en a plusieurs autour de cette bande de terrain, au centre. On approche avec prudence. Attention, je vous indique vos cibles. Prêt. Attention, la cible approche vers nous. Prends-le. Attends, le bateau est pas loin, ne tire pas. Et merde. Oui, je sais. On attend qu'il bouge. Non, sniper, il a quoi, lui ? On dirait plus une arme d'assaut, quoi. Может, бензин кончился? Подожди-ка, пойду посмотрю, может, в кузове есть. Merde, du calme, ne tire pas. Merde, je me lève moi. C'est pas passé loin. Le bateau est parti. Descends ce gars avant qu'il ne revienne. Bon, le mec sur l'acheté est tout seul maintenant, sans armes. Cible en mouvement près du camp. Voyons où il va. On peut y aller. Tire. Oh, j'ai fait la moustache là. Sur la gauche. On les descend en même temps. Bon boulot. Résor 3-1, situation. Ici 3-1. Très peu de résistance ennemie sur le terrain, rive ouest. On sera au rendez-vous à l'heure prévue. Terminé. Bien reçu, 3-1. Gardez ce rythme, Keller. Super. Donc le gameplay, ça va. Reste baissé. Ça répond bien. Ah, je suis essoufflé. J'ai mon tueur à 130. Stop. Avec ces deux-là sur leur bord, on pourra pas avancer sans se faire voir. Prends celui de droite, je m'occupe de l'autre. Dans l'œil, allez, ciao. Suis-moi. Ne tire pas. Sous l'acheter. Reste baissé. Entouré là. N'attaque pas encore. Allons-y. Attention. Est-ce qu'il me repère, là ? À gauche. Ils en racontent des conneries sérieuses. Hein. J'entends quelque chose. Похож на зомби. А зеркало смотрелся такого жадного. Это пару перерыв. Мне нужно от тебя лишь. Это нормально. Я двое суток не спал. Нет. Он в отделке там просто вот чем. Attention. Заменял этого ленивого засранца Дмитрия. А мне бы я ли директ ли? Неудивительно. Что ты имеешь в виду? Ennemi devant. Élimine-le discrètement. Он никогда раньше в джунглях не бывал. И в первый же день. Его укусили. Je sais clope. Dernière clope. Насколько все плохо?
Доктора говорят, ногу, наверное, придется отрезать. Но это все равно, что помереть. Так что же он решил ничего не трогать и посмотреть. Может, само происходит? Да ладно, мы же не в армии, пистолет не держим. C'est quoi ça? Avion civil, très vieux modèle. Ça n'a pas l'air stable. Tu crois qu'on peut s'installer ici? On n'a pas vraiment le choix, cette saloperie nous bloque la vue. Après toi. T'es sympa, tu me laisses y aller le premier, comme ça ça se pète la gueule. Oh merde! On finit ça vite fait et on remballe. Voyons un peu. Ne tire pas pour l'instant. Ça va pas être facile. Ça l'est jamais. Il y a un sniper là. Le côté droit du camp, c'est hors de question. Dans l'eau, on serait trop exposé. Il nous réduirait en morceaux. De là... Le côté gauche, par contre, ça devrait aller. En se débrouillant bien, on peut réduire leurs effectifs. Tire à mon signal, on doit être très précis. En finesse. Alors, hop. On va commencer par s'occuper des deux qui réparent le bateau sur la rive. Descends d'abord celui à côté du moteur. Maintenant, abat le second. Sniper dans la maison du haut, c'est notre priorité. Regardez à gauche. Ce mec tourne autour du bâtiment comme un vautour. Attendez qu'il soit derrière le mur de gauche. Oh. Ah, quand même. Deux soldats qui traînent autour de la maison. Tu les vois? Je les vois. Envoie une balle dans la radio nichée sur le mur droit. Ça va faire diversion. Donc là, vous voyez le petit rond rouge? Donc c'est la balle où elle va arriver en fait. C'est un peu facile quand même. Hop. Maintenant, abat le second. Il est plein de tête lui. Wouh. Élimination confirmée. Magnifique. Je pense qu'on est plus vite à vue. Merde, accrochez-vous. Ah, la gueule. Ouais, donc là ce qu'on vient de voir c'est le... partout. Dans le jeu il y a des kill cams comme ça donc c'est assez sympa quand même. Bon heureusement que c'est pas à tous les kills hein, sinon je pense que ça serait assez loin. Laisse tomber, on doit rester caché. Allez. Il s'arrête comme ça d'un coup. Deux ennemis assez proches pour un doublé. Sois discret. Il me voit là. C'est bon. Alors. Shot. Ah. Ouais, je fais de la merde. On est repéré. Ah mais il en reste un.
Bon, voilà, c'était pas très chuchu, mais bon. Je pense qu'on les a semés. Oui. Au-delà des ruines, il y a la jungle. Et après, c'est tout droit jusqu'à l'observatoire. L'environnement de cette première mission est assez sympa. Cette jungle, là, ces tentes et tout. Alors. Ça ressemble à Far Cry un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bouge pas. Ça utilise le même moteur graphique, je crois, d'ailleurs. Je dis pas de conneries. On peut y aller, tire. C'est bon, go. Contact, on les descend en même temps. Ennemi abattu, on avance. Allez, en avant! La voie est libre, allons-y. Sur le terrain, reste baissé. Plusieurs ennemis en dessous de nous. Il nous faut une diversion pour avancer. Je vois le réservoir d'essence du camion. Ça va faire un gros vacarme. Go! La voie est libre. Ils sont faciles à embrouiller ces Russes. Hein. Ne les attaque pas tout de suite, on les aura facilement. Bien reçu. Ah non, à gauche là. Tire. Joli coup, on y va. Sniper sur le clocher. De là, il a une bonne vue. Il faut qu'on s'en débarrasse. Mais il est loin. Allez, du premier coup, ça bouge beaucoup. Ah, c'est chaud. On va le laisser se calmer, là, parce que je vois son cœur arriver à fond. Deux ennemis éparpillés sur cette zone. Descends-les au fusil. Suis-les avec les jumelles. Ah! Uniforme, on est en sécurité. Ennemi neutralisé ou occupé à autre chose. On continue vers le rendez-vous. Bien compris. Là, faut que je fasse attention parce que j'ai plus de kit de soins. Ok, Cole, je m'arrête ici. Je vais porter renfort à Keller et son équipe. Positionne-toi sur le clocher de l'église. Bonne chance. Toi aussi. Ça
ça va être pas mal ça, chien. Allez. Bateau ennemi en approche, plonge. Reste sous l'eau, laisse-le passer. Bah tu m'écrases aussi. Des choses à apprendre, des kits, je sais pas. Merde. On va jouer au gun un peu. Je suis en position côté ouest du dépôt ferroviaire. Anderson, tu penses arriver quand ? Je suis dehors. Maintenant, je me dirige vers l'entrée de l'église. Dans l'église. Me dirige vers le clocher. Ok. Profites-en pour faire une petite prière. Ce site radar est sous haute protection. Je vais voir ce que je peux faire. Anderson, terminé. Position, j'installe la mitrailleuse. C'est quoi le plan d'action ? C'est Keller, je prends la tête. 3-2, vous avez un visuel sur notre position ? Compris, je vous vois. Ouvrez notre avancée sur la colline. Cortez et Nichols, vous venez avec moi. Diaz, montez la garde. Vous autres, sécurisez cette zone pour récupération. Anderson, couvre nos arrières. Compris, je vais essayer de vous éliminer quelques cibles. Ça marche. Reste bien discret. Pas de la tuerie. Ennemi sur la gauche, sur le balcon. Donc ils sont où ? Anderson, situation. Le champ est libre. Affirmatif. Diaz, monte la garde. La baie a été sécurisée. On se dirige vers le prochain point de contrôle. Il y a des yeux tout autour de vos têtes. Contact. Tireur ennemi sur la tour. Abat-le avant qu'il ne voit les cadavres sur la jetée. Qu'est-ce que... Hélico ennemi. Cessez le feu. Anderson. Oublie. On est dans la merde s'il nous repère. Reconnu. Laisse-le partir. N'avance pas vers la tour. S'il nous voit, on est foutu. On peut y aller. Oh non. Ennemi abattu. Trois cibles sur la plateforme. Synchronisons-nous. Tire quand t'es prêt. On attaque. Beau travail. Zone nettoyée.
Et d'où l'autre? Éliminé, vite. 3-1, attention. J'ai pas de visuel à 6 heures derrière les bâtiments. Bien reçu. Prêt pour la liaison, terminé. Cole, je me dirige vers eux, couvrez-moi. Quoi, là? Ah, il est là. Dias, j'ai deux ennemis sur ton champ d'opération. Le premier sur la plateforme près de toi, le deuxième sur la passerelle. Je m'occupe de celui-là. Reçu. Il voulait le cut, je l'ai pris, quoi. Tu peux y aller. J'ai essayé de faire le double, j'ai failli. Ok, c'est bon. Il est là. Presque en position. Nous devons éliminer le reste des ennemis. Deux ennemis me bloquent la route. Tue-les quand la sentinelle aura le dos tourné. Compris. Mais toi, t'es qui? Merde. Kim. Merci, mec. Je m'en souviendrai. J'étais en liaison avec les gars. On se prépare à attaquer le radar. Tu me reçois? Bien reçu. Je te couvre. On attaque. Je le vois plus, petit point rouge. Ah, il est là. Éliminez ces enfoirés! Ah, il bouge lui. C'est bon, allumez-les. Mais je suis sur lui là. On attaque. Ouh, la double. Secteur sécurisé. Allez, en avant. Bien, introduire notre virus dans leur système informatique ne devrait pas être un problème. Infos, leur matos et postes soviétiques. Compris. Objectif atteint. Vous dites que c'est de la merde, le matos virus. C'est fait. Ce truc pourra même plus détecter une collision météorique. Deux secondes, il y a du nouveau. Ça va vous intéresser. Что будешь делать со шпионом? Конечно, его нужно допросить, идиот. Отведи его в комнату босса рядом с вертолетной площадкой. С ним ничего не должно случиться, понял? Да, сэр. Я готов спорить. Если он попадет к телохранителю босса, то ему придется опять отмывать стены. Il faut qu'on envoie ces données au commandement. On vous dit en courant. Anderson, vous y allez et vous continuez jusqu'au point d'échange. 3-1 descendra les ennemis qui restent et vous rejoindra en bateau. Et ben voilà, on a fini la première mission. Bah c'est franchement sympathique, moi ça m'a grave plu. 26 minutes dans le jeu. Donc je pense que c'est une mise dans le bain, c'est juste pour se familiariser avec les touches. Et puis je sais pas si je vais vous proposer un épisode 2 ou pas, à voir. Ouais, c'était juste une vidéo que j'avais envie de faire comme ça, je viens d'avoir un jeu. On verra, à voir, pourquoi pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à liker, puis à lâcher des commentaires. Donc voilà, moi je vous laisse ici, et puis je vous dis à plus. Bye bye.